C'est parti pour l'aventure Fallout. Nous avons gagné un niveau. Vous possédez un pack d'aptitudes non ouvert. Souhaitez-vous l'ouvrir ? Je le veux. Waouh, regardez-moi ce petite loot box pour tes capacités, c'est pas dingue. Ça, c'est un système en or, ça. Comment appelle-t-on ? Alors, c'est des vieilles blagues, hein, c'est des blagues... Bon, c'était à la base sur les lépreux, hein, bien sûr. Comment appelle-t-on une goule qui joue de la guitare ? Du hachis parmentier ? Ok. Très bien. Je vois que c'est pas du tout inclusif. Dans le sens que... Hein, qu'on veut, hein, tout de suite. C'est quoi le truc ultime ? Ça, là ? Point de fer, les coups de poing, je dis, je m'en fous. Choisir un point de charisme. Alors on va pas se mettre charisme, c'est quoi qu'il nous faut ? Agilité. Elle détermine votre nombre de points d'action en mode veuve, ainsi que vos capacités en termes de furtivité. Vous n'utilisez jamais ça, qu'est-ce que tu me racontes ? Intelligence. Voilà. On va prendre ça, parce que c'est toujours bien de prendre ça. Et surtout, l'intelligence nous permet de gagner de l'XP plus rapidement. Et ça, c'est pas banal. On va se mettre ça. C'est quoi ça? C'est du charisme? Non, c'est bloqué. Ça, on peut se le mettre. On va se le mettre. Ça, on peut se le mettre. On va se le mettre. Ok, donc on équipe les capacités comme ça. Très bien, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, complètement nouveau. Attends, parce qu'on... On dérive de la quête, là. Wow, joli petit lag. Joli petit freeze. La latence du dimanche. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout en 60 FPS. En même temps, ce jeu n'est pas vraiment un FPS non plus. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal, le système de cartes. J'espère que ça se joue pas trop sur le... Sur le pay to win, quoi. Genre imagine tu peux acheter 20 packs de capacités ultra puissantes. Je croise un mec niveau 200, c'est fini, t'es mort. Ouais bah j'imagine ça doit s'ouvrir en corolle. Comme la ville dans Oblivion. Et non pas les tampons de ta maman. Oh! Un Mister Andy. Personne pour me venir en aide. Oui, dis-moi, que te faut-il ? Mon ami, je suis là. J'ai besoin urgemment de l'aide d'une autre personne. Oh oui, je suis là. Mister Bandy, quoi. Exécution de la procédure de braquage. Oh ! Donnez-moi tous vos objets de valeur. Pas de geste brusque. C'est un hold-up. Oh, c'est génial ! Non, ça, c'est génial. Ça, c'est... Ok. Appel au bon sentiment. Écoutez... Donnez-moi tout ce que vous avez et n'en parlons plus. Répétition mécontente. Hé, hey, partenaire, je vais pas me répéter. C'est génial. Ça, c'est bon, ça. Si je me baisse. Oh, il est hostile ! Quelle interaction incroyable ! Vous avez vu ? Alors, j'ai tiré, il a explosé 2 heures après. Non, non, c'est pas jouable, ça. Pas jouable, mais on va continuer à jouer parce que c'est génial. Alors là, la petite interaction Mister Bandit sur la route. Un bandit de grand chemin robot qui te répète ses lignes de dialogue en didascalie. C'est merveilleux. C'est quand même cool. Mais, tu sais, j'aurais pu passer, faire Monsieur Andy, nul. Il est amical, je me casse. Puis jamais j'aurais compris qu'il s'appelait Monsieur Bandit en fait. Putain, il va pleuvoir. Incroyable. Attention, le jeu devient bien. Le jeu décolle. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a des petits effets sur le casque. Vous avez vu ? Le casque ? Putain. Regardez, ils mettent... c'est ridicule. Ça, c'était comme ça dans le jeu d'avant. Alimentation faible. Oh ! Ah putain, je croyais moi. Putain, le con. Bon, écoute, on va la laisser là, ce sera pour les autres joueurs.
Tant pis. Wow, les effets de flotte qui ruinent le FPS là. Combien ça poids? 3 3000? Non, 3. Oh. Alors, notre quête est par là-bas, mais comme les aventuriers ne vont jamais tout droit, on va avancer vers cet endroit là. Ça a l'air bien, regardez. Regardez, il y a une espèce de tête de mort géante avec un bon lag. Waouh, putain, l'éclair nous a bien baisé. Point plaisante. Point pleasant. Ok, right, mate. Got your license, mate. C'est quoi cet endroit? Putain, mais pourquoi c'est... J'ai l'impression de jouer sur un PC portable. Non, rappelle pas mon armure assistée là, c'est pas la mienne. Je veux pas, moi. Oh, wow. C'est cramé toute seule. Arrêtez de me tirer dessus. Wow. Oh, comment j'esquive. Mamma mia. C'est complètement injouable avec le lag. Tiens, n'oublie jamais à la mot. Ouais. Hop ta gueule. Protégez-moi. Santa Maria de Guadalupe. Je la vois. C'est qui tous ces bouffons là? Ah, c'est la phalène. Non, ça brûle de partout. Je vais crever. Oh, le PV. Non, je suis en surcharge. Vite, on se cache. Incroyable, phase de jeu de dingue. Châssis d'armure, dégage. Comment on jette? Jeter, non, attends. Si, jeter. Wow. C'est le bordel. C'est les adorateurs de la phalène. Je vais t'en foutre, moi, de la phalène. Oh, le bordel de ce jeu, nom de Dieu! Crève! Oh, ta race! Cours! W! Oh putain! Oh putain, c'est la mort! Je ne peux pas mettre le pompe. Ah, mais si, je peux! Putain, on est niveau 5! Mais oui, bien joué, Razel! Quelle stratège. Dernière mort. Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Choisissez ou réapparaître ici. Carrément, quoi. Allez, on va y aller aux pompes. Quoique, attends. Est-ce qu'on perd ces objets? Dites-moi pas que c'est faux. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Attends, je suis pas niveau 5. Niveau 4? Quoi? Ça n'a aucun sens. Ah non, j'avais pas des. Ah non, mais j'ai pas gagné de niveau, j'avais juste un niveau à récup. Ah, là, oh, putain, quelle arnaque. Oh! Ce pro play. Non, pas les radiations. Bon, déjà, on va y aller comme ça, ce sera mieux. Putain, et là, ça lag. Des quenouilles! Eh, hey, Antoine Daniel, as-tu vu les belles quenouilles? Ouah, non mais attends, c'est en 2 FPS là, c'est bon. Sixteen times the lag.
Ah ouais, non mais j'avais le doigt sur la gâchette, pardon. Ça m'a surpris moi-même. Je me prépare à rien du tout. Arrête avec ce menu là. Et voilà. Je ne plierai pas. Putain, je marche au ralenti. Oh là là, je marche à reculons accroupi plus vite que ce type ne me court après. Putain, ils mettent un peu ma race là. En fait, ils sont beaucoup, c'est ça qui est chiant. Et ce jeu lag. Non mais mettez-moi du beau temps là, j'en peux plus de votre pluie lagante. Ils essaient d'appeler Cthulhu. Cthulhu. Attends mais je suis mort où là? Quoi? Ah ouais, s'il y avait ce type. Oh, c'est ça mon sac. Oh putain. On va tout prendre. Oui. Je le veux. Bah oui, on peut jouer au plusieurs, hein, mec. Si tu le veux, même, il est sur le Game Pass. Il est gratos. Complètement se faire une aventure Fallout. Il faut que je me débarrasse d'un truc. Valeur 16, on va voir. Par rapport au fric, valeur 21, allez, ça dégage. Très bien, un couteau de combat. Pas dingue. Ça dégage. T'as-tu entendu mon petit Razel? Je peux t'offrir un Game Pass hein, si tu veux. D'ailleurs, on peut faire des drops comme ça dans le chat. J'ai un Game Pass à offrir. Oh, attendez, c'est le lag, c'est insupportable. On va baisser la qualité du jeu, je suis désolé, hein, mais bon. On va en profiter pour filer son petit Game Pass à notre petit Razel, notre plus fidèle viewer. On est comme ça sur Swan de l'âtre. Et des gens offrent des Rocket League, des trucs comme ça. Nous, on offre des Game Pass entiers, l'accès à plus de centaines de jeux. Ah, qu'est-ce que je voulais faire? Affichage. Allez, c'est parti. On va redémarrer le jeu. Quitter le jeu. Revenir au bureau. Quittons le truc. Non, c'est un mois d'essai, je crois. Alors attends, fais voir. Invité jusqu'à 5 amis gratuitement pendant 14 jours d'évaluation. Créez un lien d'invitation, envoyez-le par courrier électronique, vérifiez l'état de votre invitation ici. Il me reste 5 sur 5 invitations d'essai gratuits. Oh bah c'est génial. Putain, on peut même forcer le club Super Aventure de nous rejoindre. Énorme, on aura 14 jours les gars. Ah, ah mon dos. Oh. Oui, cet écran est noir, noir comme l'âme, tourmenté des hommes, noir comme la pluie, noir comme les ténèbres, noir comme Nar Shaddai, le grand dieu putréfacteur. Tout et tout. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qui veut un petit essai au Game Pass? Mettre un petit peu de jazz noir en attendant. Mmh.
de la lounge music. Venue sur Radio Noir. Merde, je vous ai toussé dans la gueule. Excellent. Excellent, il va nous rejoindre. Ah, incroyable avec ses brûlures. Pas de la ça fait penser au à l'émission Voyage au bout de la nuit sur sur TMC ou sur... non attends sur TF12 on sait plus sur W9 peut-être en tout cas cette émission incroyable qui est Voyage au bout de la nuit. Un soir, un livre. Ou plutôt, un soir, un étudiant en galère qui doit lire un bouquin toute la nuit. Sans le Game Pass, tu ne pourras pas jouer au jeu. Ben non, mais de toute façon, tu auras un compte Bethesda si tu veux, t'as prêt à le reprendre. De toute façon, peut-être même, je peux te l'envoyer 5 fois. Hein. Ça fait 5 fois 14 jours. Sinon, pas fait de... pas fait de système anti... anti-grind. Après, genre, c'est. Attends, comment ça se passe? Je crois qu'il y avait un compte Bethesda qui est lié au truc. Alors, envoyons le code. Je crée un lien d'invitation. Je le copie. On va essayer de se trouver sur une messagerie personnelle quelconque, comme Facebook. Il est où ? Raser la noutre le grand. Hop là. Non mais j'ai carrément un lien, si tu veux, je t'envoie le lien. Ah. Je vais pas les mettre dans le chat, tu vas te le faire voler par tous nos auditeurs. Sur Radio Copyright, une radio entièrement non passable sur tous les streams du monde. Soft jazz music for foggy nights, rainy days, solitude and broken hearts. C'est Taxi Driver. Si on relancerait pas le jeu. Attends, on va installer, attends que tu l'installes. Bah non, ça va peut-être prendre longtemps. JRPG Music to Studio 2. Let's go. Mais ça c'est sûr, ça va être Strikehead ça. C'est une musique de jeu. On va se faire pourrir. Plutôt mettre un moment random dans cette playlist de lounge music. Ah oui, c'est un morceau de 8 heures. Tu vas te faire pomper, ah non! Bah ouais, je pense qu'il te... C'est une œuvre d'essai, genre. Faudra que tu cancelles. Ah, c'est comme quand tu essaies de prendre le mois gratuit du début. Ah bon? Attends. Il me faut croire que je suis privilégié avec mon super code, là, les salopards. Peut-être même qu'avec Discord, il y a plus que 14 jours.
mes souvenirs qu'il y avait peut-être Nitro. Abonnement, inventaire des cadeaux. Ouais, j'ai plus de cadeaux. Oh putain, les boules. Je crois qu'il y a un truc à jouer avec... Sinon tu peux acheter Fallout 76 directement si tu veux. Allez hop, on relance le jeu du coup. Dommage. Non, c'est comme tous les trucs, c'est comme genre Avast. T'as une période d'essai de 13 jours et c'était pas con, tu peux y jouer gratuitement. Enfin, tu peux l'avoir gratos. Ou Avast ou autre, bien sûr. C'est qu'un exemple. Après, faut pas oublier. Attention. Ah putain, d'ailleurs, faut que je fasse... Oh putain. $8.92 sur Instant. Bah voilà. Non mais attends, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Ah oh, putain, c'est bien tombé, ben. Dire qu'ils vendaient ce jeu au prix fort. $8.82, c'est donné, hein, c'est donné. Pas se mentir.